George Russell. Alors, il considère la Formule 1 comme un sport sain. Quelques noms lourds l'ont précédé en tant que directeur général, entre autres Vettel et Schumacher. Donc lui, oui, il est directeur du GPDR. Je pense que de manière générale, la Formule 1 est en bonne place. S'il n'y a pas eu la domination de Red Bull au cours des 12 derniers mois, il y a pas mal de courses passionnantes, de courses serrées, de bonnes batailles. Ce qui se passe en ce moment dans la lutte pour la deuxième place, c'est en bonne place. Peut-être que les pneus ont été un peu trop durs récemment, il y a trop d'arrêts. Il y a trop de stratégie à un arrêt, et pas assez de dégradation pour ajouter un peu de piment. Mais de la même façon, quand les pneus sont pourris, nous nous plaignons aussi. Il faut donc essayer de trouver le bon équilibre, c'est jamais très clair. Non mais le principal problème, c'est même pas ça, c'est qu'il y a une écurie qui domine tout le monde. Au sol, hein. Après oui, ça reste chiant, les courses avec un seul arrêt, quoi qu'il arrive, mais bon. Si avec ça encore. Après, la F1 saine, ouais, si Red Bull gagne toutes les courses cette saison, je suis pas sûr que ce soit une saison saine, hein. Pour le coup, bof, hein. On aura connu mieux quand même, hein. Ciao.